Bonjour tout le monde, ici Caribou Canadec vous parle. J'espère que vous allez bien parce que moi je vais super bien. Allez, on poursuit l'aventure du jeu. Route 96, live, sur la chaîne du Caribou Canadien. Oh yeah! Bonjour, ici Sonia Sanchez. Bienvenue à Sonia Show. Nous venons d'apprendre que les brigades sont attaquées à deux agents de police alors qu'ils transféraient une prisonnière. Les agents étaient en train de s'échapper, laissant la criminelle dans la nature. Avec nous ce soir, l'agent Green, qui a heureusement réchappé à cette attaque d'une sauvegarde sans nom. Sauvagerie sans nom. Agent Green, pouvez-vous retracer ces événements? Oui, on s'est arrêté pour faire le plein avec Thompson avant d'aller vers une prison plus sécurisée et on a été attaqué par une dizaine d'individus armés minimum. Affreux. Les brigades sont une organisation criminelle. Peut-être faire quoi que ce soit pour vous aider? Ouais, si quelqu'un a des infos sur qui a fait ça ou a vu les fugitifs, qu'ils appellent le standard de l'émission immédiatement. Ou alors la police. Merci, agent Green. Toujours dans les bonnes nouvelles, un large réseau passeur vient d'être démantelé par les gardes frontières. Un grand merci à eux, sans qui notre pays ne serait pas aussi sûr. Et maintenant, jetons un œil au dernier sondage. Le Qatar demeure un grand favori. Chers citoyens, c'est le moment de voter Tyrak. C'est toute une démocratie qui est en jeu. Comme vous savez, Sonia Show peut disparaître d'un grand mystère. Jetons un œil aux derniers avis de recherche. Allez, vous allez contacter l'émission si vous avez le moindre renseignement. Snack, cassette, achetez vos snacks et cassettes. Bon cauchemar. Hein? C'est très pro, je sais. Je la sors quand Herb a de tourner. J'ai de l'ambition, mais je crois que je peux rester bosser toute ma vie. Je peux pas, désolé. Ah, meuf, t'as pire que moi, toi, en fait. Tu sais quoi? Herb est à l'arrière, à faire des trucs d'herbe. Je vais te dépanner, mais garde ça pour toi. Si t'as besoin d'autre chose, va falloir que tu passes, come on. D'accord, mais c'est tout. Un giga soda.
Ça va. Des conseils pour l'autostop? Je sais que ça veut dire l'autostop. Tu devrais plutôt rester et essayer de changer les choses. Soutenir Flores. Oh non. Mesdames et messieurs, vous avez affaire à comme qui dirait un braquage. Et personne ne bouge. Vous avez tout ce que vous voulez. On a des burgers, on a des frites. Le coffre, où il est? Ah, c'est super. Un super burger ici. Mauvaise réponse, Ngo. Tu vois pas le fusil à pompe? Fusil ou pas, il n'y a pas de coffre ici. Il a dit la vérité. On t'a pas demandé ton avis. On a une caisse si vous voulez. Allez, commence par là. Mitch, passe-moi ça. Ça, je croyais que c'est toi qui l'avais, Mitch. C'est pas brillant, hein? Ferme ton clap, merde. La tirelire, fous le pognon dans la tirelire. D'accord, mais c'est ma tirelire, mais... D'accord, je chope le cochon. Des fois, que quelqu'un entrerait. Tu me tues, Mitch. Tu peux m'aider? Alors, vas-y. Alors, restons calmes. C'est l'éléphant de Stan et Mitch. On n'a pas ça toute la journée. On a encore le temps de fouiller. Vous avez entendu? Écoute, j'ai une idée, mais tu dois me faire confiance. J'ai pas le moment de jouer aux oreillines. De quoi t'as peur? Des générés sur Damaso vont pas tirer? Qu'est-ce que tu fiches? J'ai pas très envie de me frotter à eux. Faut bien tenter quelque chose, le pognon maintenant. On frit tout de suite. Désolé maintenant. C'est quel argent? À bout le fric, j'ai dit. J'ai un plan, vous n'hésitez pas. T'as plein un plus grand d'argent, je le prends pour un idiot. D'accord, tiens. Ça va aller, j'ai si peur, mon cœur. Je voudrais dire quelque chose. Donne-le tout, je veux pas mourir. Après, il a le cœur fragile. Ah, il faut l'argent. N'écris pas, s'il vous plaît. Non, mon mari, il est en état de... Il partira si vous obéissez, c'est tout ce qu'on a. On a amené tout ça, petit. Tenez. En vélo, microbe. Maintenant, tu vas venir avec nous. Ouais, braquage rime toujours à des otages, c'est la garantie. Rien faire. Elle avait juste besoin d'une petite sieste. Allez, on se tire. Combien dans le cochon? $122. Et un bagage tout éteint. On est riche. Vas-y, on sait que t'as toujours rêvé de poser une question à des génies du crime comme nous.
L'intention est votée. Malheureusement, nos antécédents ne nous permettent pas. Ouais, tu peux pas voter, c'est un casier, microbe. Mais toi alors? J'aurais pour Flores. C'est mignon. Vous allez me laisser partir, hein? Stable, pas un microbe, on a juste besoin d'un faux attache. C'est la garantie Stan et Michel. Ouais, la garantie Stan et Michel? On ferait mieux d'y aller, Stan. C'est un microbe, ça c'est pour te traumatiser sa vie. Marcher, ça prend de l'énergie. Oh, un camion. Bien joué, papa ours. Vous allez bien? Mais t'es pas maman ours, t'es juste une petite fille. Miette pas sevrée, minette pas sevrée. C'est qui cette maman ours? Ben encore avec maman ours. Mais elle est flic alors je suis pas venu, j'ai tout foutu en l'air. Et après j'ai beaucoup bu. Ne me faites pas de mal! Oh hey, non, c'est un raid amical! Merci pour le raid! Oh yeah! Fais quoi? Fais quoi qu'elle soit flic? Je suis pas un bon gars. T'as devant toi les criminels les plus recherchés de tout Petria. Hey Elliot, comment ça va? Pétard, même Papa Ours peut pas bouger ce rocher à moins. Pétard, non, pas possible. Viens par là, toi. Tu veux faire un passeport dessus? Tu connais ce jeu, Québec Elliott? Tu vois ces rochers là-bas, tu trouves pas qu'on dirait ceux de la frontière? Foutu éboulement, il m'a pris ma Connie. Ça va bien, merci. Maman, on vient de commencer le chapitre 4. Maman Ours s'appelle Connie? Hein, n'importe quoi, Maman Ours, ça s'appelle... I don't know.
J'en ai aucune idée. On fait la course jusqu'en haut. Plus rapide que le vent. Tu me rattraperas jamais. Pas mal pour une patate sur patte. Mais presque. T'as gagné, c'est parce que j'étais pas échauffé. Vous êtes dans le déni. Voilà, sûrement. Ballon de foot, oh, rien ne va plus. Donc vérifier c'est pas quelque chose à... C'est un jeu surtout interactif, plus avec une histoire. Un peu comme Quarry justement, c'est ça qu'il est en train de jouer. Toutes tes décisions ont un impact sur l'histoire. Allez chaton, t'as le droit à 5 tirs. T'as du bol, celui-là est passé là où je... Il me manque des doigts. Alors... What? Je pense que tu dois être prêt pour les Jeux Olympiques. C'est l'arrêt. Et bam, c'est signé le rempart. Voyons, tabarnak! Je pense pas que tu sois prêt pour les Jeux Olympiques. Dernier tir. Trop fort encore. J'ai dit score, mais si le rempart était sobre, tu n'en aurais pas marqué une. Ouf, je suis souffle. Viens, on va s'asseoir un peu. Ouais, Quarry, je l'ai fini. Il y a 10 chapitres. Un avis sur la Brigade des Noirs. Au départ, ils se battaient pour les bonnes causes. Mais j'ai peur qu'ils soient devenus un peu trop radicaux ces derniers temps. Qu'est-ce que t'en penses, toi? Ils devraient durcir leur action. Tu t'entendrais bien avec un gars que je connais. T'as l'air d'avoir dégrisé un peu. J'école de sueur parfois quand je bois, je deviens un rempart. J'aurais préféré que t'assistes pas à ça. Mais bon, ça va mieux maintenant. C'est juste que cette histoire avec Maman Ours, ça m'a rappelé le passé et connu. Et on est à quel chapitre? Je peux voir qui c'est connu. C'était l'amour de ma vie, mais elle est morte. Dix ans passés, elle est morte lors d'un éboulement. Elle était tout ce que j'avais... Chatan, fallait voir. La page photo. J'en ai des dizaines, mais elles sont dans Grizzly. Là-bas. Elle était jeune et intrépide comme moi, quoi. On était en brigade ensemble. Salut, Wild One. Elle était belle, pétard de belle. Elle me manquera tout le reste de ma vie. Et oui, Maman Ours, elle est pas bien.
Ah, ça, c'est une voix, Few. Et solide avec ça. Plus solide que je le serai jamais, mais douce aussi, drôle. Ça avait l'air... Et pourquoi ça marcherait pas, déjà? Ah non. Ça a l'air de bien vous entendre. Peut-être, peut-être, mais il y a un hic. C'est une fliquette, chaton. Moi, je suis de l'autre côté de la barrière. Pour que ça marche, faudrait du sacré changement, hein, que je me rende à la police. Je suis recherché, tu sais. Ou alors qu'elle se fasse révolutionnaire. C'est pas tout ça, mais je... Le monde est plein de surprises. C'est le bon, chaton, c'est le mot. Tu poses une question? Tu l'aimes, maman ours? Je crois bien que c'est l'amour, mais... Alors tu dois tenter ta chance. C'est plutôt futur puis une morveuse. On te l'a déjà dit? Peut-être que tu devrais faire des courriers du cœur à la radio. Je me vois plutôt en politique. D'abord le diplôme. Grande idée, chatin. Maintenant, si ça te dérange pas, je vais rester profiter un peu. Profiter de la vue, évidemment. C'est vrai qu'elle est magnifique. Sois prudent sur la route et si tu croises l'amour, ne la laisse pas partir. Tu me suis? Pas de soucis, champion. Qu'est-ce que tu fais bon, mon Wild One? Ça n'a pas marché. Quelqu'un qui va arrêter? Oh. Regarde ton stream, rien d'autre. Qu'est-ce que t'as fait? T'as rien fait aujourd'hui? Ah, tabarnak. J'aurais pas dû embarquer. J'aurais dû marcher. Je suis avec un tueur. Excusez, je suis au téléphone. J'embarque quelqu'un tueur, ça va bien. Il faut que tu préviennes. J'ai parfois du mal à maîtriser ma colère. Ma colère. Au moins, comme ça, tu es au courant. Alors, où est le taxi, joyeux, vend bien?
Vers la frontière? Non, ce n'est pas sur mon chemin, mais je peux te déposer un peu plus loin. Tu peux aussi payer pour un bout de trajet, comme ça tu auras le temps de faire la sieste. Il y a nos moyens de régler? On vend des tickets à gratter, si tu en veines. Non, merci. J'imagine que tu n'as pas quoi payer. Pas aujourd'hui, désolé. Comme tu voudras. Assieds-toi confortablement et profite du paysage à bord. Des taxis joyeux. Ouais, moderne. Il peut bien me contacter. Sonia Shaw, comment ils ont eu ce numéro? On peut arrêter si besoin. Une seconde. Regarde pas bien. Yeah, ça va beaucoup mieux. N'hésite pas, si tu as des questions, je m'y connais en bien des domaines. Merci. Vous pensez quoi des brigades? Non, on peut dire que je suis pas un grand fan. Ouais, trop radicaux pour moi. Je t'ai vu feuilleter mes magazines. Ah oui? Tu aimes les dinosaures? Je comprendrais que ça soit pas le cas. J'adore les dinosaures, très bien. À propos du dino, tu as vu le film qui vient de sortir là? Mesoic Park. Je sais pas plus. Tu ne sais plus si tu as vu Mesoic Park. Pourquoi que non? Hey. Qu'est-ce qu'il y a? Avance-toi, je vais te montrer quelque chose. Ta magnétoscope portable, comme ça, je peux regarder mes cassettes n'importe où. Quand Mesoic Park sortira en VHS, je le regarderai en boucle. C'est beau magnéto. Ma fille aurait adoré Mesoic Park. Aurait? Si elle n'était pas morte. Comment elle s'appelait? Lola. Mais je vais rectifier tout ça. Bonne chance alors. En attendant, je vais essayer de ne pas penser aux horreurs. Lui sans arriver. Oh, je risquerais de me mettre vraiment en colère. Maintenant, détends-toi et profite du reste du voyage à bord. Des taxis joyeux. Je vais te déposer bientôt. Merci. Je ne tire pas deux balles à la nuit. On a arrêté. Juste une petite panne, ça arrive souvent. Rien joué, ils vont me tuer. Des choses qui arrivent. Quand j'ai rien mis à jouer, il n'y aurait pas été de bonne humeur, je le sens. This is where we
C'est là où nous on se sépare, je dois prendre un client. Merci encore. J'espère qu'on se réveille à bord des taxis joyeux. Il vaut mieux sortir avec lui. Bon, ça c'est la policière qui parlait tantôt, qui était en amour avec elle, c'est elle ça. Bon, après ce chapitre-là, ben dans une trentaine de minutes, je dois aller aider mon père et vu qu'on va chercher une voiture là, qui était au garage. C'est ça, mais que je reviens, on va jouer à un autre jeu qui est dans le même style à peu près. Là. Adler, c'est bon. C'est les mêmes, c'est. Ouais. Ça sert à rien, fichu pneu. Problème? Juste un petit galère de voiture. Qu'est-ce que tu fiches par ici? Tu donnes un coup de main? On essaie de changer de pneu. Bon, cela dit, tu as un conseil que je ne serais pas de refus. Salut, Gwen. Ma mère a appris une technique. On pourrait pas appeler un dépanneur. Ma mère m'a appris une technique. Allez, montre-moi ce que tu sais faire. Une vraie magicienne du pneu. Arrête pas si bon chemin, la pompe est derrière toi. Et voilà. Merci beaucoup, je dois dire que tu m'impressionnes, Gwen. Et allez, on va se continuer. Viens, suis-moi. Sinon, ouais. Les brigades terroristes, pas, vous pensez quoi des manifs? Elles ne me dérangent pas tant qu'elles restent pacifistes.
T'en prends. On va plutôt en pouvoir des urnes. Alors, assure-toi d'être bien inscrit sur la liste. Y a un truc qui va pas? On peut dire ça, oui. Vous voulez en parler? Avec toi? Non, merci, ça ira. Sans vouloir te vexer, hein? Ça pourrait vous faire du bien. Ouais, t'avais peut-être raison. C'est mon fils adoptif, il a fugué. Fils de flux, ça devrait pas être facile, ouais, c'est sans doute vrai. Mais ce n'est pas pour ça. Il est parti. Je lui ai caché quelque chose, un secret. Et quand il finit par lui dire, il a mal pris. Toujours dangereux, le secret. Ça, tu peux le dire. C'est quoi, le secret? Je lui ai dit la vérité sur ses parents biologiques. Ce que j'en savais, en tout cas. C'est-à-dire? C'est dangereux, très dangereux. Des gens dangereux? Ils étaient membres des Brigades Noires. C'est quoi les Brigades Noires? Les groupes terroristes responsables de l'attentat du mur? Je le savais, hein. Et pour tout ça, comment vous l'avez adopté? Tu as dû entendre parler des attentats 86? Ouais. C'est le jour où j'ai rencontré mon fils. C'est vraiment un coup des brigades. N'écoute pas les complotistes, je suis policière, je sais de quoi je parle. J'assurais la sécurité de Tyrike lors de l'inauguration du mur. Et qu'est-ce qui s'est passé? Tout se passait bien et puis tout a dégénéré. On a eu plein de temps de voir le pick-up, il a dû s'écraser contre la montagne. Mais c'est d'après les rochers dégringolés sur la route. Sur la foule, excuse. C'était terrible. Ça devait faire peur. Non, je n'aime pas l'écrire. Tout autour, l'horreur pure. Et puis à un moment, j'ai baissé les yeux, il était là. Mon fils, muet, couvert de poussière, me regardant avec ses grands yeux. Je ne perdais pas de vue, mais je l'ai attrapé. Et je l'ai ramené chez moi. Et je devais le mettre en sécurité. Il le fallait. Je n'ai pas été recherché. Pendant les mois qui ont suivi, j'ai acheté tous les journaux. Je consultais tous les jours les alertes d'enlèvement. Rien ne s'est jamais présenté. Et comme chez les brigades de se couper pour lien familial, et ses parents sont où alors? Malheureusement, je pense qu'ils sont morts, écrasés sous ces rochers. Je ne vois pas d'autre explication. Mais je n'aurais jamais dû lui cacher tout ça. Je mérite tout. Tout ce qui m'arrive. Vous vouliez le protéger, c'est ça. Merci, gueule d'ange. Ça fait plaisir à entendre. Central Unité 2, vous me recevez à vous? Pardon, je dois répondre. Je sais ce que tu fabriques par ici. Mais je te demande juste une chose. Allez-y. Fais demi-tour et rentre à la maison, d'accord? Tes parents doivent être morts d'inquiétude. Mais non. Bon, on est là à pied. On se rapproche de la frontière.
la suite de ce qui s'est passé dans le chapitre 3, ça. Elle était prisonnière. Elle s'est fait sauver. Elle, c'est la fille d'un... d'une espèce de ministre. Ben, juillet 96. À moins que je suis elle, puis je sais pas, là. Salut, Well One, Québec Elliott, The Monster, Nurse Krabby qui fait son retour. Et Gwen. Je suis mal de manger. Tabarnak, elle m'a fait peur, Yel. Comme ça, je suis pas Yel. Elle m'a fait peur. Désolé. T'as cadeau, visage crasseux, fringue qui pue, toi tu... tu cherches la grotte, non? La grotte? Quelle grotte? Genre, comme si tu savais pas. Suis-moi, faut qu'on s'éloigne de la route. Je sais où elle est, la grotte, enfin, je crois. Je m'appelle Zoé, je sais pas pour toi, mais moi ça a été de l'aventure pour arriver jusqu'ici. T'as passé quoi? J'aurais pas par où commencer. T'es pas obligé. Tout ce que je peux dire, c'est que ça a complètement transformé, et en mieux. Maintenant j'ai envie d'aller d'aider les autres. J'ai arrêté de penser qu'à ma gueule. J'ai rien que 36$. Tu vois la cascade là-bas? C'est là qu'on va. C'est la chanson préférée à Gwen, ça. Moi, c'est le but. C'est mental, avec le beau tuyau dans le fond, là, c'est beau, honesty. Salut, nos clans TV! Salut, Asiatic 30! Je viens de monter le volume. L'autre jour, hein, ma voix, on l'entend bien, l'autre jour on a dit que ma voix était trop pas assez forte comparée au jeu. T'as vécu des aventures de ouf toi aussi, non? Les gens sont dingues. M'en parle pas. Est-ce que c'est parce qu'on a un gros bébé capricieux comme président?
Ou alors quelque chose de l'eau du robinet, à cause des forages et tout. Est-ce que vous attendez bien ma voix ou... La grotte doit être juste là, enfin, je crois. Bon, finalement, mon père, sa conjointe va y aller. Regardez que des hippies s'en passent par là. Des certains sujets au moins. J'ai manqué ce qu'il disait. Il avait raison à la radio. J'arrive pas à y croire que c'est un endroit qui existe vraiment. C'est trop cool. Come on, let's check it out. Oui, ma belle. Regarde, quelqu'un a laissé ses affaires. Il y a un carnet là. C'est un journal intime. Ça dit quoi? Un père et son fils qui voyagent ensemble. Pourquoi qu'il n'y a pas que des jeunes qui passent par ici? Il flippait de ne pas réussir à passer la frontière. J'espère qu'ils auront réussi. Je déteste tellement ce mur. Ils n'ont pas réussi à passer, les autres, je pense. Un jour, on va le détruire. Il faut s'accrocher à cette idée. Viens, on va faire un feu. On commence à essayer de trouver du bois. On va aller voir de quoi l'allumer aussi. Moi, j'ai les allumettes. Si on arrive à la nuit, on devrait bientôt être au petit bonheur. Ou des branches. J'aurais dû regarder, peut-être, fait que... Il y avait peut-être d'autres choses qu'elle disait, puis j'ai pas regardé comme il faut. Là. Non, elle disait rien. Ça m'a donné quoi à part que par 3$? Bon, je trouvais rien. Merci, Wild One. Pareil, Wild One, t'attendais pas le jeu. C'est de la merde, ça. Acheter du bois, tabarnane.
Je n'ai même pas pour moi de l'argent. Désolé, c'était le téléphone. Oui, t'es avec nous? Ouais, yeah, désolé. Sorry. Look, can I tell you something? Tu veux te confier un truc? Vas-y. On va me parler de son père. You know how, tu sais quand earlier, j'étais tout à l'heure que je voulais aider les gens? Je me souviens? Well, ben, c'est grâce à ça que je vais le faire. Mémo, lors d'une l'inauguration de la pompe, mieux vaut ne répondre à aucune question que 186. Il y a peu de chances que quelqu'un t'interroge là-dessus, et sûrement pas Sonia Sanchez. Mais toute réponse risquerait de légitimer la question et donc de semer le doute dans l'esprit des votants. Ça, on ne peut pas se permettre, pas si on veut battre cette sénatrice. Nous savons tous que des vies ont été perdues ce jour-là. Frédéric, chez les brigades comme chez les nôtres, mais c'est pour la bonne cause que nous avons fait sauter ces explosifs. Pense à ce qui nous ferait s'ils arrivaient un jour au pouvoir, le président. C'est quoi? Les documents ultra confidentiels du gouvernement. Ils prouvent que c'est pas les brigades qui ont provoqué l'effondrement du pic, contrairement à ce que tout le monde dit. Hein? Tyra. Le Mont National était truffé d'explosifs. Les enfants, chaque année, pour prévenir les avalanches, quand les brigades ont essayé de tuer Tyra, ils ont tout fait sauter. Pourquoi faire ça et penser que les brigades s'étaient mélangées à la foule? C'était le cas d'ailleurs. Alors il a essayé de s'en débarrasser, même si ça voulait dire tuer des tas d'innocents. Ah ouais, c'est chaud. Ouais, hein. Il faut que tout le monde le sache. C'est l'idée, enfin, je vais essayer. Mais comment? Les brigades vont m'aider à passer la frontière. Ils m'ont envoyé un signal une fois là-bas. Quand je serai de l'autre côté, si j'y arrive, je pourrai faire publier ça dans tous les médias internationaux. T'es dans les brigades? Ouais, on dirait bien. J'aimerais t'aider à traverser. Ah ouais, si tu veux. On devrait essayer de dormir, il faut qu'on soit en forme pour demain. Je suis pas sûr que ce serait dormir. Ça va être dur, ouais, mais faut essayer. Ouais. Demain marquera le début de la fin du règne de Tyrak. En tout cas, j'espère. Dors bien. Ouais, mais je me réveille, je vais essayer de reposer. Je manque de nourriture, on dirait. Qui en a repris des forces.
Allez, parti. À toi, dont j'ai oublié de demander le nom, c'est peut-être naze, mais j'ai décidé de partir. Je crois que c'est mieux. Je traverse tout seul. C'est super risqué. Je voudrais pas qu'il t'arrive quelque chose. Bonne chance de ton côté. Je croiserai les doigts pour toi et j'espère qu'on se trouvera de l'autre côté un jour. PS, il y a un gros rocher près de la sortie qui a pas l'air très stable. J'espère que je vais pas le faire tomber en sortant et bloquer le chemin. Bisous. Walkman. Bon, on est rendu à la frontière. J'en ai un qui s'est fait prisonnier jusqu'à présent. Il y en a deux qui a passé et un qui s'est mis dans la merde. Tu te fous de moi, mais il est bien jeté ton Walkman. Franchement, tu mérites. La tour est possible de se refouguer ça à un truc pareil. Toi! Je pensais que t'aurais traversé, alors on est deux. Ça fait plaisir de te voir, meuf. Je suis vraiment désolé de t'avoir abandonné. C'est la grotte, mais c'était pour te protéger. J'ai pas aimé, mais je me suis douté. T'avais raison. Merci de me rassurer. T'es pas encore de l'autre côté? C'est qui ce mec? J'essaie d'acheter un Walkman. Capter le signal. C'est le signal. Je ne devrais pas te le dire. Les brigades vont m'envoyer un signal pour me dire quand traverser. Ils pourraient être en train de l'envoyer là. Que je trouve à Wyman rapido. À Wyman dans ce genre-là? Ah, mais voilà, je l'avais perdu dans la grotte. Bien, on va écouter dans ma tente. Suis-moi. Beautiful view, hein? Les zombies au milieu. Dans 10 ans déjà. 10 ans déjà. Je me souviens quand ils ont fini la construction. Ça me semblait un truc positif à l'époque. Je peux te dire que j'ai changé d'avis. Bien, on va dans la matinée. Feel so good. Feel so good. Feel so good. Hola, minute petite. C'est bon, Sean, elle est avec moi. Alors ça va, les amis. Zoé, c'est mes amis. Merci, weirdo. C'est qui? Pourquoi t'es jalouse? Bon, allez, qu'est-ce qui se passe? Regarde-moi tous ces camions prêts à vendre notre pétrole. Au reste du monde. Quand je pense que 90% des gens ne verront jamais la couleur. Et cet argent, tout part dans les poches de Tyrek et sa clique. Dans mon père. Du coup, je peux récupérer mon Walkman? Ah oui, pardon. Et je ne suis pas ton esclave.
Vous êtes sur le 491.9, la voix des brigades. C'est votre papa Pousse qui vous parle. Mais avant de commencer, un message personnel pour Z. Ça y est, le coq chantera trois fois. Je répète, le coq chantera trois fois. C'était le signal. Ça voulait dire quoi? À 3 heures du mat, un camion va foncer contre le mur. Une diversion pour attirer les gardes. C'est à ce moment qu'on traverse. Hein? Après réflexion, je me suis dit qu'on ne serait pas trop deux. Attends, t'es OK pour m'accompagner, hein? J'ai pensé à demander, je comprendrais si ça ne te tente pas, en fait. Bien sûr, je t'accompagne. Génial. Dans ce cas, je sais que c'est pas très fun, mais il faudrait qu'on dorme un peu. Même avec la diversion, on a besoin de toutes nos forces. T'as raison. Cette fois, je serai là quand tu te réveilles, promis. Et après, on traversera ensemble. Excellent. Bonne nuit, Zoé. Qu'est-ce qui fait que le fusil proche de sa tente? Par ici, vite-en! On n'a pas beaucoup de temps, les escaliers, vite! Le camion est un leurre, fouillez-les partout! La porte est verrouillée. Bon, lourd, on va pas le panneau de contrôle, peut-être en bas. L'échelle est de l'autre côté. Putain. Je suis posé passer comment? Marchez vite, vraiment. Il nous reste un moment où on ouvre cette porte. On aurait 10 secondes pour rejoindre la sortie dès qu'on sera en bas. On va y arriver. C'est bon d'y croire. Go, 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 ouvre. C'est du DJ Pure. Je l'ai sauvé, mais pas moi. Putain. Oui, certains perdront leur vie sur cette route. Mais pour chaque personne tombée, une autre se relèvera. Mais c'est important qu'elle passe, par exemple. Je
pense que c'était plus important qu'elle passe que moi. Moi, que j'ai aucune importance. Le tout est de continuer à avancer. Un qui est prisonnier, un qui est mort. Donc c'était tout pour l'aventure du jeu. Route 96 live sur la chaîne du Caribou Canadien. Oh yeah!